Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment déformer les textes dans Photoshop. Voilà, je vais rapidement créer un fond. Donc je passe par l'onglet Fichier, Nouveau, et je prends Papier Format International, je fais Créer. Et ensuite, je vais rapidement aller chercher l'outil T. Donc je prends l'outil T. Et pour la police, je vais utiliser la police Time New Roman et je vais créer un calque vide. Donc je clique là pour créer un calque vide. Je travaille sur Photoshop CC 2023 et pour la couleur je peux changer. Voilà, je vais changer la couleur. Et ensuite je clique là pour écrire. Je vais écrire tuto Photoshop. Donc j'écris d'abord tuto. J'écris tuto et je vais sélectionner. Je viens là, voilà, c'est à 0 et je vais réduire un peu comme ça et je vais agrandir la police. Et je fais OK. Voilà, je peux déplacer ça. Et maintenant pour déformer ça, je vais d'abord convertir ça en forme. Donc regardez bien que non, c'est les calques en question qui est sélectionné. Je me place là, je fais clic droit, je viens sur convertir en forme. Voilà, c'est maintenant en forme. Et ensuite, je vais aller chercher les outils de sélection des formes. Donc, je viens là, je fais clic droit, je vois des outils. L'outil de sélection des tracés et l'outil de sélection directe. Donc, je prends l'outil de sélection directe et je vais sélectionner la première lettre. Donc, je prends T, je vais sélectionner seulement la tête comme ça. Voilà, c'est bon. Une fois sélectionné, je me place là au milieu, je clique. Et je vais tirer tout shift appuyé pour aligner ça bien. Voilà, je peux faire un truc comme ça et c'est bon. Je vais désélectionner et je vais encore sélectionner à nouveau. Je prends la partie là, voilà, je me place là et je vais encore tirer toujours la tout shift appuyé pour aligner ça bien. D'accord, c'est bon. Et je vais désélectionner maintenant. Je prends maintenant l'outil de sélection de tracé. Je vais sélectionner trois lettres I, T et puis O. Je prends et je me place là au milieu, je vais déplacer ça un peu comme ça. Et je prends encore l'outil de sélection des tracés. Je vais sélectionner T, je me place là, je vais ajuster ça. Voilà, c'est bon. Ensuite, je vais aller chercher l'outil T pour compléter. Donc, je prends l'outil T, je clique là et je vais écrire maintenant Photoshop. Je vais diminuer la taille de la police. Voilà, et j'écris maintenant Photoshop. Et je vais déplacer ça. Et je vais sélectionner ça. Je prends l'outil T. Je vais sélectionner pour tirer. Donc je viens là. Et je vais tirer. Un peu comme ça. Et ensuite, mes amis, je vais encore aller chercher l'outil de sélection des tracés. Donc je viens, je prends. Et regardez bien que non, c'est les calques en question qui est sélectionné. Je viens. Je vais sélectionner comme ça pour tirer un peu. Donc je me place là au milieu, je vais tirer tout shift toujours appuyé pour aligner ça bien. Je fais comme ça et je vais désélectionner. Après ça, je vais ajuster ça bien. Voilà, je peux faire un truc comme ça et à la fin je peux redimensionner ça. Donc je prends l'outil recadrage, je vais rogner, recadrer comme ça. Et c'est bon mes amis, je peux enregistrer. Je peux enregistrer ça en format JPG, pourquoi pas en PNG. Donc en PNG, il faut d'abord masquer les fonds. Je peux cliquer là pour masquer. Voilà, c'est maintenant sans arrière-plan et je peux enregistrer maintenant en format PNG. Voilà la famille, je vous ai montré comment déformer les textes dans Photoshop. J'espère que cette vidéo aura bien aidé si c'est le cas. N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la cloche. Et si vous voulez bien m'aider, alors je vous demande de partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis merci. Et à très bientôt.